Le bilan du séisme au Maroc ne cesse d'augmenter. Des villages entiers ont été anéantis par la secousse. Un deuil de 3 jours a été décrété. Le G20 s'engage à soutenir le triplement des renouvelables d'ici 2030, mais n'appelle pas à une sortie des énergies fossiles. Kiev estime à 420 000 les militaires russes déployés en Ukraine et assure que ces attaques de drones ciblent essentiellement le complexe militaro-industriel russe. La Mostra de Venise décerne un lion d'or au film de Yorgos Lanthimos, Pauvre créature, avec Emma Stone, et le jury distingue aussi 2 films sur le destin des migrants. Des villages entiers ont été anéantis par le séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Les bilans ne cessent de s'alourdir et selon les derniers chiffres, les autorités ont enregistré plus de 2000 décès et autant de blessés. Emmanuel Macron s'est dit bouleversé et a proposé l'aide de la France, tout comme l'Espagne, l'Italie et les États-Unis. جلالة الملك محمد السادس يتدخل يشوف الأمرنا كان يعيش واحد المعاناة اللي هي قاسية لا ما لا ضو كل شيء تقطع والناس ما واكلين ما شاربين ما كاين لا خبز لا والو. La Croix-Rouge internationale parle de besoins immenses et d'une aide qui devra s'inscrire dans le temps. La province d'Al-Aouz dans le sud-est du pays a été la plus touchée et recense le plus grand nombre de victimes. Les membres du G20 s'engagent à tripler les énergies renouvelables d'ici 2030 et appellent à réduire la consommation de charbon. Les défenseurs de l'environnement parlent d'une avancée trop modeste et regrettent que le G20 n'appelle pas à une sortie des énergies fossiles. Les pays du G20 représentent 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. It's really critical that we are investing in biofuels with the lowest carbon footprint. So those are the advanced biofuel pathways, the second generation advanced biofuel pathways, rather than the crop-based biofuel pathways that compete with land and have very significant upstream emission impacts. Dans ses conclusions, le G20 estime que les investissements dans le domaine du climat doivent augmenter considérablement. L'Inde, de son côté, souhaite que les pays riches aillent plus loin pour aider les nations à se protéger des futurs désastres climatiques. Les frappes ukrainiennes contre la Russie visent essentiellement les entreprises russes liées au complexe militaro-industriel. C'est ce qu'assure le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirilo Budanov, qui s'est exprimé lors d'une conférence internationale à Yalta. І що я б хотів би підкреслити, важливо, і це різниця, яка відрізняє нас від росіян. Жодна цивільна людина так і не постраждала, що б вони там не казали. Le ministère ukrainien de la Défense révèle par ailleurs que, selon ses estimations, la Russie a déployé 420 000 soldats en Crimée et dans les zones conquises depuis le début de l'invasion en février 2022. Le réalisateur grec Yorgos Lanthimos, couronné à la Mostra de Venise. Le jury a décerné un lion d'or à Pauvre créature, un film avec Emma Stone, un Frankenstein au féminin où une créature candide fait son éducation sexuelle et sentimentale. Le film est un message sur les normes qui pèsent sur les femmes. I'm very happy. It's great to win this prize with this film because I was trying to make it for a long time. And I'm just, it's the best outcome that we could ever hope. La Mostra décerne plusieurs prix à des films sur le calvaire des migrants. Prix spécial du jury pour Green Border d'Agnieszka Holland, qui revient sur la crise des migrants à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Lion d'argent pour Moi Capitaine, un film sur la traversée de la Méditerranée d'un jeune migrant interprété par Sédou Sarr, qui lui reçoit le prix du meilleur espoir.